Bonjour à tous les brodeurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va tenter de réussir le challenge Red Zone face à Slug. On va jouer la team Sagat Debout. Voici la composition. Je pense que ça reste une team très forte, même si Végéto il est un petit peu fragile. Mais on va compter sur Guan Ultime, puissance et tech, sur Videl et le duo des enfants là. Donc première rotation, on va garder le couple qui fonctionne bien. Voilà, tac. Videl, qu'est-ce qu'il va faire Videl? Videl. Est-ce que sur un malentendu, on va essayer de tuer lui. Allez, zou. Pas d'item, on sert le fiac. Merci beaucoup, Otakux. Premier essai. Non, pas premier essai. J'ai glissé. Voilà. J'ai sous-estimé la deuxième et troisième phase. Non, je crois que c'est la troisième phase. J'ai sous-estimé. J'ai pris une spé au pire endroit. Ouf. Oh là, la Videl. Je crois que j'ai un seul doublon. J'ai eu de la chance sur le ki, ouais. Ouf. Non. Ah oui, c'est bon, ça va. Mais on vient de perdre un quart de nos PV, là. Saga debout, quand ça va passer en méta 400%, ça va être une dinguerie. C'est ce que je veux dire ou pas? Parce que là, ça gère quand même. Ça gère. Qui fait partie de la Team Shaft? Aïe, aïe, aïe. Force à vous, les amis. Force à vous. Dites-vous que dans 4 mois, avec les pièces rouges, il y a moyen que ça... Voilà. Ça finisse dans ta box tranquille. Tranquillou. Là, j'avoue, je vais peut-être pas kiffer, là. Avec l'agilité. Donc, si on arrive à le gérer avant qu'il nous gère, c'est un malentendu, on crit. C'est parfait. T'as 1000 pièces au calme. Ben voilà, 1000 pièces, t'achètes les deux. Voilà, tout simplement. Aïe, 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 il a pas crit. Végéto, ça reste quand même une masterclass. Alors regardez l'attaque spé qui reste magnifique. Elle n'a pas à rougir par rapport à ce qui est sorti récemment. En termes de TPS, ça reste quand même un monstre. Le son seul défaut, c'est la def. Voilà. La def qui peut être compensée par un item. Mais quand il va passer ZLR, il y a moyen qu'il rentre dans le cercle très fermé du top 3. Hein. T'as défié un collègue. Le collègue il t'a ban par derrière. Alors je vais peut-être laisser Videl sur un malentendu et le tue. Ah mince, problème de qui? Putain, le couple fonctionne pas du tout. C'est triste hein. Moi, je suis déçu. Bon, c'est quoi, on va la jouer safe. Oh, je suis déçu pour le couple. Je voudrais pas dire DPT dégâts par tour. Oui, si, si. Dis quoi, j'ai dit dégâts par seconde. Oh, ouais, je veux dire dégâts par tour. Bon, le DB7 pour les millions d'achèvements, non, Brice aussi. Pourquoi aussi? J'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé de Broly DBS pour la célébration palier. Ah, j'ai dit DPS, ok, my bad. Le top 3 actuel sur la globale, c'est les deux LR des 7 ans. Et la troisième unité LR serait qui? Ah, je peux déjà fufu. Je réfléchis en même temps. Est-ce que je fufu ou pas? Ah, je vais attendre un peu. Goku Namek, ouais, c'est un bon candidat. Freezer aussi, c'est un bon candidat. Mais il y a plus de Goku que de Freezer. Du coup, Freezer serait peut-être plus intéressant. Mireille, c'est vrai qu'il est pas mal avec son Fukatsu. Il y a des bons candidats. Continue à balancer des candidats. Au cas où si j'en ai oublié un.
Parmi les LR. Sur la globale, hein, je parle vraiment que la globale. C'est vraiment un problème. Hein. Femme indigne. Vegeta bleu, non, bleu évolution, non, je le mettrai pas. Gogeta et Dertek, non, je sais pas, je le mettrai pas non plus. On parle de LR, les gars, on parle de LR. Vegeta intelligent, celui qui est en. Qui se fait bolos par Freezer là. Ouais, je le mettrai pas. Ouais, Janemba, très bon candidat. Janemba, endurance. Mais j'ai tous les 3 ans. Ouah, wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Qui s'est mangé l'aspect? Qui s'est fait bolos là? C'est Videl? Aïe aïe aïe. Éclaté au sol cette Videl. Je pense qu'il est temps, hein, il est temps de sortir la guitare. Et puis accessoirement, je voudrais pas dire, mais Végéto, bah non, mais c'est bon, il est là le troisième LR. Mais qu'est-ce que il est là le troisième LR du game, il est là, là, c'est lui là. Il est là. Putain, vous faites, franchement, vous abusez les gars. Il était là depuis tout à l'heure. Le troisième LR du game, il est là, là, c'est lui là. Soin, détection de spé, DPS monstrueux. Oh les gars, réveillez-vous là. Ah mince, on va se manger une spé. On va se manger une spé ici. Je vais mettre Trunksou. Trunksou. Allez, Trunksou. Trunksou, 3 francs 6 sous. Let's go. Final Gohan. Non, on parle de cartes qui existent, les gars. Gohan Ultime, pour l'instant, Ella n'existe pas. Il est dépassé, Végéto. En termes d'utilité, en fait, faut parler de, en termes d'utilité. En termes de dégâts, il n'est pas dépassé. En termes de défense, un petit peu pour la red zone. Mais en termes d'utilité, il est indispensable, les gars. Soin. En fait, dans les modes de jeu où on n'a qu'un seul item, bah, t'es content d'avoir un mec qui te soigne. Hein. Bah, t'es grave content. Donc là en plus j'ai détecté l'aspect, donc en fait là la partie je la contrôle là. Hey. Végéto il est sorti il y a... Ça fera 3 ans en août. C'est ça? Attends. Attends, j'ai un doute. Ah non, l'aspect elle est ici. Ça doit faire ça je pense. J'ai pas confiance en Videl, je sens que Videl elle va faire une dinguerie, elle va pas esquiver avec sa vieille tête là. Sa vieille tête. Ah ouais, sa vieille tête de miskin. Elle est chiante en vrai. Je trouve qu'elle est éclate. Non, elle est bien, mais elle est chiante. C'était il y a 2 ans. Ouais, mais là, en août, ça fera pas 3 ans. Attends. L'année dernière, c'était qui? L'année dernière, c'était Namek. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, bah c'était Végéto. Ah c'est ça, il y a 2 ans c'était Végéto. Ok non j'ai rien dit, ça fait 2 ans. Ça fait que 2 ans. Ok, là, j'ai l'impression que c'était il y a plus longtemps. Bah Végéto, Buan ça reste monstrueux, surtout Végéto. Une date a été annoncée pour les ZLR. Pour lesquels des ZLR? Ah sur le global pour l'instant non. Mais il faut compter à peu près 20 jours à partir de la célébration. La célébration c'est le 7. 20 jours, ça fait autour du 22 février. Dans ces eaux là. Alors l'aspect était ici. Bon là c'est petit Goten. Mon petit Goten. On est toujours sous item. Est-ce qu'on mettrait pas Gitterman épisode 2 ici? Voilà, allez on le tue. Parce que là il est... Ah ouais, en vrai Slug. Slug il est fragile en fait. Il a 4 barres de vie, on va le défoncer là. Allez, on termine le combat. Ah, merci beaucoup, Sotaru. Hop là, dans le bocal. Dans le bocal des beaux gosses.
Imagine la Zelda de Gohan et celle de 200 millions de downloads. Ouais, parce que ça fait 3 ans. Pour moi, c'est possible que ce soit eux cette année. Possible. Ah oui, j'ai oublié ce petit détail. Il se soigne. C'est ça la red zone? Arrête. C'est la miskin zone, oui. Non, je rigole, mais quand il y aura brûlé, on va pas rigoler. Quand il y aura brûlé, on va se faire tellement bolos. On aura tellement le seum. Piou! Tiens, mange. Qui a dit que j'étais dépassé? Qui a dit que... Lui, il est dépassé, là? Lui, il est dépassé? Carotide. Bon, on va claquer un dernier item. L'aspect, elle est où? Elle est ici. Très bien. Bon, Videl, transforme-toi, jeune demoiselle. Tu aimes les filles aux cheveux courts? Un peu sexiste quand même. C'est pas un peu sexiste en vrai? Vous ne trouvez pas? Moi je trouve que c'est un peu sexiste. Genre, tu lui montres à quel point elle a une mentalité éclatée au sol, limitée. T'as fait une vidéo où tu explosais Broly avec un peu de luck. Oui, de toute façon, il faut un peu de luck. Hein. En fait, si il carnage pour la troisième phase, t'es quasiment mort en fait. Ah merde, j'ai pas fait attention au ki. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, Vegeto, bah, le finito. Peut-être Videl avant. Ah non, il se soigne, c'est vrai. Ah oh shit, il est chiant lui. Ah, qu'est-ce qu'il est chiant. Eh, Videl, 4 200 000. Hein. 4 200 000. Deux fois. C'est pas mal. Hein. En gros, les PV qu'il a récupérés là, on les a graillés. Allez, Guan ultime, l'aspect ulti. Ah non, dommage. Pas de spé supplémentaire. 4 millions. Ça, c'est solide. Crit. Dommage. Ah, c'est dommage. Hein. Ah, je crois qu'il le tue là. Allez, un crit pour finir. Non. Ah non, t'es sérieux là? Ah non, mais il se soigne juste avant. Ah, mais c'est vraiment. Ah, c'est vraiment une sale race quoi. Ah, tu m'agaces là. Bon, là, je le tue là. Dokkan Mode. Oui, Evangeline, c'est possible. C'est possible. Je me demande, on est à combien de téléchargements en vrai sur Dokkan hein. On n'a pas de vrai compteur. On sait qu'il y a la célébration palier, mais est-ce que. En fait, c'est même plus célébration palier. Hein. Ça s'appelle célébration. Mondiale. Je crois que ça s'appelle plus palier, c'est genre mondial. Bon bah les amis, saga debout, ça reste carré. Hein. Donc troisième meilleur LR de jeu, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Pour Vegeto puissance, pour moi c'est une évidence. Les nouveaux niveaux, bah ça sera au deuxième. En fait c'est simple, hein, y a trois vagues de red zone. C'est pour chaque partie. Deuxième partie, deuxième vague. Dernière partie, troisième vague. Voilà, voilà. Allez, on l'ajoute. Dylan. Donc voilà les amis. Hein, Vegeto, c'est carré. Saga debout, c'est carré. Hein, les deux petits bonhommes. Guan ultime. Bon, Videl, le problème de qui, bon, voilà, c'est un peu chiant. Mais deux Guan ultime, ils font très bien leur taf. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée les amis. Le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Portez-vous bien. À très bientôt. Et buvez de l'eau. Ouais, il va faire très très très, très chaud cette semaine.